tous et bienvenue dans ce documentaire au cœur du Tour de France. Nous allons vous faire vivre le Tour de France dans les coulisses et avec quelques chroniqueurs. Dans un instant, Pierre Castor vous racontera l'histoire du Tour de France. Il y aura le spécialiste du Tour de France, Raoul, qui vous racontera comment gagner le Tour de France. Et une interview de José Pedalo, ce sera tout de suite dans ce documentaire exceptionnel. Et on commence par Pierre Castor et l'histoire du Tour de France qui vous présente son collaborateur Bébé Castor. C'est à vous. Pierre Castor, raconte-nous une histoire. Pierre Castor, raconte-nous deux histoires. Pierre Castor, Pierre Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Bonjour, c'est Pierre Castor pour l'histoire. Bonjour Bébé Castor. Bonjour Pierre Castor. Alors, est-ce que tu as une question pour moi cette semaine? Oui, dis-moi, c'est quoi le Tour de France? Alors, le Tour de France, c'est une course de vélo. Et il a été inventé par Henri Desgranges en 1903. Est-ce que tu veux savoir c'est qui a gagné le premier? Oh oui, qui a gagné? Qui a gagné? C'est Eugène Christophe en 1913. Et il était français. Donc il a gagné pour la France. Allez. Oh, un français. Un français. Oh. Allez, bébé. Parle plus fort. Allez, bébé Castor, on se retrouve bientôt. À bientôt. À bientôt, bébé Castor. Salut tout le monde. Salut. Et merci beaucoup, bébé Castor et Pierre Castor. C'est trop mignon. Trop mignon. Raoul, le spécialiste du Tour de France. Comment faire pour gagner le Tour de France? Et bien, il vous explique tout ça avec ses petits voitures et tout là. Vous allez voir, c'est très marrant. Voici Raoul, le spécialiste du Tour de France. Et bonjour les amis, c'est Raoul, le spécialiste du Tour de France. Alors je vais vous expliquer les techniques, un peu ce qui va se passer dans la dernière étape, près de la finale, les amis. Alors que je vous explique le Tour de France un peu, s'il vous plaît. Donc vous voyez, il y a le départ et le but, bah, c'est d'arriver à l'arrivée. Hein. Jusque là, c'est pas compliqué. Alors là, vous avez l'équipe, la Racing Team, ok. Donc toujours en compétition, les mecs, ils vont essayer de se placer là vers l'avant. Sans se faire doubler par AG2R, la mondiale. Ils sont là, voilà, toujours dans la compétition, les mecs. Alors, là, il y a la tour. Il va sûrement attendre le deuxième tour pour essayer de faire son passage dans le virage. Attention, les amis. Alors, n'hésitez pas, surtout, hein, à faire des appels si vous avez un problème. Parce que l'hélicoptère de la télé sera là pour tout filmer, tout surveiller, les amis. Et oui, on surveille de la télé, voilà. Et en cas d'accident, je vous l'ai dit, il y a l'ambulance qui est prévue. Et oui, donc tout à fait, pour aller voir l'équipe du peloton. Et oui, le peloton de chez Quick et les Quick and Toast, comme on les appelle. Voilà, avec... Ah là là, il y a Philippe. Ah là là, Philippe qui arrive. Et oui, ah là, Philippe, il va essayer de doubler l'équipe. L'équipe de Carrefour au grand complet, les amis. En plus, c'est des promos en ce moment chez Carrefour. Eh oui, alors attention, on me dit, Antargaz, et voilà, ils arrivent, ils sont là, alors attention, ils vont doubler dans le virement. Vous inquiétez pas, l'équipe de Manek TV est sur le plan pour filmer tout en caméra HD. Les amis, voilà, c'était Raoul pour vous expliquer un peu les techniques du Tour de France. Et vous avez vu, en plus on a fait le stop de vélo sur la voiture. Et voilà les amis, donc le Tour de France c'est vraiment pas compliqué, et puis n'hésitez pas à suivre un peu comment ça se passe. Voilà, c'était Raoul, l'expert pour le Tour de France. Oh les amis! Merci beaucoup Raoul. Et c'est Raoul le Kennec. L'interview du coureur José Pedalo. Vous l'avez montré cette interview dans la dernière émission, mais on ne pouvait pas faire un truc sur le Tour de France sans vous le remontrer. Voici donc l'interview de José Pedalo. Je suis accompagné de José Pedalo. Bonjour José. Oui, bonjour. Susnommé la pédale. Hein. Voilà. Pour ceux qui me reconnaissent. Vous êtes un coureur du Tour de France cette année. Ouais, tout à fait. Alors ça fait quoi de courir le Tour de France, le grand concours mondial? Trop d'émotions. Vous voyez, Jean-René, d'ailleurs, j'ai déjà récupéré mon maillot jaune. Puisque cette année, c'est forcément moi qui vais gagner, les amis.
Je me suis entraîné, ça fait 6 ans que je pédale de fou dans toute la Bretagne. Donc Giuseppe, hashtag la pédale. Alors nous sommes en entraînement là en ce moment. Intensif. Alors la France n'a pas gagné, vous savez, depuis 30 ans le Tour de France. C'est toujours quelqu'un d'autre qui a gagné. J'étais pas là, j'étais fatigué les amis, désolé. Pendant 30 ans j'étais endormi, mais je me suis réveillé. On m'a dit, Giuseppe, faut que tu gagnes. Donc pédale. Est-ce que vous pensez qu'un Français peut gagner le Tour de France? Mais bien sûr, un Français d'origine espagnole, les amis, vous l'aurez compris, franco-portugaise. Que pensez-vous d'une phrase qu'avait lancé un très grand coureur qui avait dit que la France ne pouvait pas gagner sans se doper? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que les vitamines susnommées sont pas forcément de la dopamine. Et que pensez-vous de toutes ces histoires qui sortent en ce moment de dopage? C'est toujours les meilleurs qu'on accuse de dopage. Mais est-ce que le dernier, est-ce qu'on lui fait souffler dans le ballon? Non. Hein, celui qui perd la course, il souffle pas? C'est pas normal ça. C'est pas normal que c'est les premiers qui soufflent. Moi je dis il y a un complot dans le cyclisme. Est-ce que vous êtes déjà dopé vous? À l'insu de mon plein gré, peut-être éventuellement, mais point que j'en sache. Comment? Voilà, j'ai pris une fois une gélule. On m'a dit c'est de la vitamine C. Mais j'avais toujours mal à la gorge. Mais j'ai pédalé bien ce jour-là. Je vais vous croire. Comment vous vous êtes préparé pour ce Tour de France? Le matin, jambon beurre directement dans le café, histoire d'avoir toutes les vitamines. Et puis les oranges, je les presse à main nue, Jean-René. C'est comme ça vous fait les bras. Exactement. Pourquoi le Tour de France n'est-il pas un concours que pour la France? Et pourquoi c'est ouvert au monde? Mais parce que les amis, on a besoin de s'ouvrir à l'international. S'il n'y avait que les Français, on gagnerait pas souvent déjà. Hein. Et puis c'est bien que tout le monde voit, tout le monde participe. Moi je pense qu'il faut participer, hein, même dans l'univers. Donc j'attends les pédaleurs, là, les extraterrestres de Mars, Uranus, Jupiter. Là. Vous venez tester le vélo, vous allez voir. Sur Terre, on sait pédaler. Alors le Tour de France, normalement, devrait passer par la France. Pourquoi c'est toujours ouvert, on part toujours d'un pays hors de la France? Parce qu'il faut pédaler hors de nos frontières, les amis. Il faut vendre des VTT et des pneus Michelin un peu partout. Donc moi, je soutiens le mouvement. Donc hashtag la pédale. Alors évidemment, on soutient évidemment la France. Et on espère que la France va gagner cette année, après 30 ans de défaite. 30 ans. 30 ans, c'est énorme. De fête. De défaite, malheureusement. Et de fête. Et nous, on continue cette spéciale et un an. Et là, on va faire la fête. Ah, il n'y a aucun souci. Vous me faites plaisir, Jean-René. C'est parti pour la suite des un an. Et vous pouvez suivre le Tour de France sur France Télévisions. Bon allez, moi, je vous laisse, je pédale. Donc voilà, c'est la fin de ce documentaire sur le Tour de France. On souhaite donc à tous un bon Tour de France. Allez, la France pour ce tour. Et à suivre évidemment sur France Télévisions. À très bientôt sur Manic TV. Ciao.